Salut à tous, c'est Sorator pour une vidéo découverte sur Gravity Rush Remastered sur PS4. Donc le jeu est sorti en février 2016. Donc c'est la version remaniée du jeu PS Vita qui était sorti en juin 2012, je crois. C'était l'un des premiers jeux sur PS Vita, il me semble. Alors j'y avais joué un petit peu, mais comme je suis pas un joueur sur console portable, je sais plus si je l'avais fini en fait. Donc c'est l'occasion de redécouvrir tout ça. Appuie sur croix pour toucher. Ah non, d'accord, déjà, apparemment, la manette oriente la caméra. J'espère qu'il y a moyen de le faire avec le joystick également, sinon ça va être un peu compliqué, je pense, selon les situations. D'accord, ils nous font toucher une pomme. Bon début. Bon, je suppose que c'est une phase de tuto un peu. Ok, donc il y a Tuggy qui me précise que c'était pas le premier jeu Vita. D'accord. Mais je crois que c'est le premier que j'avais acheté parce que bon, j'ai pas énormément joué à la PS Vita. Miaou! Et qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi tu es perdu? Je n'ai rien à te donner. Va demander à quelqu'un d'autre. Bon, je fais très bien le chat qui ronronne. Mais où suis-je? Alors attendez, par contre, il y a du son qui sort de la manette. Je vais voir si je peux désactiver ça. Parce que vous allez pas l'entendre sinon. Voilà, on va le désactiver. Alors après, forcément, ils ont retravaillé l'interface. Hein, parce que sur PS Vita, c'était tactile, bien entendu. Très bien, oui. Bon, écoutez, on va se déplacer un peu. Ah, on n'a pas un contrôle direct sur la caméra, apparemment. En tout cas, pas pour le moment. Ok, t'es perdu. Ok. Alors je tiens à préciser également que c'est un jeu qui m'a été offert par PlayStation. Donc c'est la première fois qu'on m'offre un jeu, je trouve ça assez cool en fait. Je trouve que c'est une bonne initiative d'offrir ça à certains youtubeurs. C'est fort sympathique. Mais par contre la caméra... Je peux pas la ramener moi-même? Pourquoi je ne me souviens de rien? D'accord. Comment j'ai atterri ici? Il faut que je trouve un moyen de sortir de là.
Très bien. Alors, je sais plus si le chat a un nom. Mais où sont passés tous les autres? Épisode 1 des Tréfonds de l'oubli. From Oblivion. Hey, lâchez-moi. Je vous en prie. J'ai besoin. Dégagez. Allez voir ailleurs. Mais attendez, vous ne comprenez pas. Sauvez mon garçon. Hein? Votre garçon? Comment ça? Il est en danger? Par là. Suivons l'homme mystérieux. Très bien. Donc rapidement, c'est un jeu qui repose sur la gravité. Elle aura des capacités assez hallucinantes comme aller sur les murs, je crois, ou inverser complètement la gravité. Enfin. Donc là, je contrôle la vue avec le DualShock. Ok, très bien. Allons-y. D'accord, charmant comme endroit. Salut aux nouveaux arrivants sur le live. Le premier jeu Vita, de quoi c'est les vaisseaux volants? Star Wars? What? D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors après, je suis pas fan du contrôle à la manette, hein. Je préfère le joystick. Hein. J'ai toujours eu un peu de difficulté avec le motion gaming. On verra tout à l'heure si c'est possible de le modifier. Haji. Salut Fiasco. Yuji! Qu'est-ce qui se passe? Vite, vous l'avez vu? Mon fils est coincé dans la maison. Il va être emporté par la tempête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes comme la fille au corbeau, non? Utilisez votre chat pour monter là-haut et sauvez-le. Fille au corbeau? Quelle fille au corbeau? Ne faites pas l'innocente. Je vous ai vu descendre du ciel et atterrir en douceur. Utilisez votre super pouvoir et sauvez mon garçon. Super pouvoir? D'accord. Très bien. Je n'ai aucun super pouvoir. Ou pas, ça y est, ça commence. Ouais, donc pour l'instant je contrôle rien en théorie. Je suis sur un mur. C'est toi qui fais ça? Ouais. Joystick droit, regardez autour de soi. Appuyez sur Start pour changer le réglage de la caméra. On va jeter un œil quand même. Non mais c'est bon hein. Caméra normale, c'est parfait. Détection de mouvement, elle me paraît un peu sensible. On va peut-être la baisser un chouïa. On verra le reste plus tard. Parce que ça normalement on peut le faire nous-mêmes, hein. Changer le sens de la gravité entre guillemets. Ouais, pour l'instant je contrôle que dalle. Ah, t'es mal barré, garçon. Alors, apprenez-moi à jouer. Comment ça marche déjà? Appuyez sur R1 pour passer en apesanteur. Et R1 pour inverser. Ah, je peux modifier avec le joystick, d'accord. C'est pas que avec la détection de mouvement, heureusement. Ça permettra un peu plus de précision quand même. D'accord. Donc pour l'instant, pour ce principe, ça va. Petit à petit. Alors attendez, faut que je trouve la prochaine plateforme.
Where is the platform? Here. Ok. Tac. Ensuite. Croix pour sauter, mais... Pour aller où? Ah. Il faut tenir, petit. J'arrive. Ouais. Hop. Ok. D'accord, il y a des mains énervées. Très bien. C'était quoi ça? Bonne question. Hop, et si je me fail, est-ce que je peux me rattraper en plein milieu? Est-ce que je peux... Attendez, je vais juste essayer pour voir si je pars sur le côté et que je rappuie sur R1. D'accord, elle repart en lévitation. Parfait. Donc on peut se rattraper si on se foire. On n'est pas condamné à aller tout droit. Pour... Ah, pour sauter, pour aller où? Ah, bon, maintenant que je me suis envolé, hop. J'y suis presque. Oui, mais... Je dois aller où, en fait? Heureusement qu'ils ont mis les marqueurs, hein, parce que pour se repérer, par contre, c'est un petit peu galère. Tac. J'arrive. Oui, votre maison. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il commence à vous péter. Oh, et oh, je sauvais ton gamin, mon gars. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais, je n'ai... Vous n'avez pas quoi? Je vous ai demandé de sauver mon fils, pas de détruire ma maison. Notre maison. Rendez-nous notre maison. C'est pas de ma faute. Mais ils sont sérieux? J'ai essayé de l'empêcher de glisser, mais oui. Eh bien, c'est raté. Il ne faut jamais faire confiance aux gravités, hein. Ce n'est qu'un tas de bons à rien oisifs. Mais what? Toutes les affaires de maman étaient dans la maison. Rendez-la nous, maintenant. Mais... Mais... N'importe quoi. Bah oui, je n'ai rien fait. Hey, où allez-vous? Pff, les gravitiens sont tous des pourris. Bien dit papa. Bande de racistes. On n'a rien fait de mal, c'est n'importe quoi. Salut Gaga. Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'essayais seulement d'aider. Hmm? Quoi? Tu as vu quelque chose? Une porte? Ouais, d'accord. Elle y croit. Ah si, d'accord, elle défonce tout. Très bien. J'ai rien dit. La suis m'achevé et je crois plus affiché de Wansi. Plein jeu de plein s'habillement de la sapin chauffé. De blessant ma l'ouetterie, chapelaine tout le savait.
J'aime beaucoup le langage, je trouve ça assez stylé. Bon après, il y a certaines, ouais, certaines mises en scène, là comme là, il n'y a pas de dialogue, c'est un peu dommage. Ça casse un peu l'immersion, je trouve, mais bon. Qui es-tu d'ailleurs? C'est toi qui inverse la gravité? Mais il parle pas, le chat? Pff, quoi? Comme on est tous les deux seuls, on ferait mieux de rester ensemble. Je devrais te donner un nom, non? Qu'est-ce que tu penses de poussière? Tu aimes? Eh, hey, poussière, viens là, minou minou. Quoi? Tu n'aimes pas ce nom? Moi, je l'adore déjà. Poussière. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ah ouais, un corbeau. Bon, on nous parlait d'une fille au corbeau, on va aller voir ça. Il coûte combien? Je crois que c'est dans les... Il me semble que c'est 40 euros, gaga, hein. C'est pas 20 euros. Hein. Bon, suivons. Poussière. On voit le corbeau au loin. Salut Charlie. Tu joues à autre chose, pas pour le moment. Je ne sais pas ce que je fais plus tard dans l'après-midi. Bon, tu veux que je suive ce corbeau, c'est ça? D'accord. Oui, serre-toi du mur. Vas-y, cocotte. Attends. Corbeau, where are you? J'arrive. Ah, on peut orienter. Arrête-toi en l'air. Mince, j'ai été trop tardif. Ok. Hop, par contre ils m'ont remis dans la voie je crois. Voilà, je me suis arrêté. Très bien. Mince, j'étais à deux doigts de le rattraper. Ah, il y a des trucs qui flottent. Ah, faut que je le vise précisément. Hé ! Viens là, Trouduc. Corbeau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me fait tourner en bourrique. Hé ! Appuyer sur L1 pour revenir à une gravité normale, d'accord. Et R1 pour... Ouais bon, j'ai pas encore le gameplay en main. Mais d'accord, L1 pour retomber normalement dans le bon sens, entre guillemets. Ouais, heureusement qu'ils ont mis autre chose que la détection de mouvement pour jouer, hein, parce que... Ah, par contre... D'accord, j'ai une jauge. Cette fille et son corbeau sont un peu comme nous. Très bien. Allons voir. Hop, alors qu'est-ce qu'on me dit? Au pire, tu peux faire du GTA. On verra tout à l'heure. Bah, comme je vous ai dit, j'ai reçu un SMS comme quoi Street Fighter V était dispo. Je pense que je vais aller le chercher. Comme ça, en plus, ça me permettra de ne pas y aller en semaine. Donc ce sera pas plus mal. Hop. Parle à la fille mystérieuse. Donc vous voyez, là je suis en gravité, on voit que ma jauge là qui est bleue pour le moment, en dessous de la jauge de vie, diminue. Donc on peut pas rester 15 ans ici non plus. D'accord, elle a l'air quand même de mieux maîtriser. Parce que nous le déplacement est assez saccadé. Hey, les vilains. D'accord. Elle botte des culs. Parfait. Des ombres sur la ville. Ok. Et donc en VO, Shadows Over the City. Juste à temps. Je courais... Non pardon, je coursais un de ces voyous et j'ai été encerclé. Tu étais super. Qui es-tu? Hey. Reste sur le côté, d'accord? C'est la fille que j'ai vue. Elle est avec ce corbeau aussi. Raven. D'accord. Bon, ça veut dire corbeau. Allô? Quoi? Qui es-tu? Comment es-tu arrivé là? Eh bien, je ne sais pas. Ah d'accord, avec la... D'accord, avec la manette, on peut bouger. Très bien. Ça donne des effets un peu de perspective différents. Ah, c'est assez bien fait en fait. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas qui je suis, ni ce que je fais ici. Mais cette fille devrait savoir. Tu te souviens de rien? Tu es tombé sur la tête? Non, je ne crois pas. Wow, on dirait le début d'un roman policier. Non, va-t'en. Hein?
Alors pas de Black Ops 3 prévu aujourd'hui. Peut-être en fin de soirée, allez savoir, mais c'est pas prévu. Carré pour donner des coups de pied. Coup de savate. Aïe. Et pour esquiver. Il y a une touche pour faire des esquives ou pas? Pour l'instant, non. Non, d'accord. Bon, je voulais essayer de verrouiller, j'appuie sur R1. Ah mais normalement, il y a moyen d'utiliser la gravité pour mettre des coups de pied, je crois. Mais ça doit se débloquer plus tard. Bon, pour l'instant, je trouve pas de touche pour verrouiller, ni pour esquiver. Donc, on bourrine. R2. D'accord. Donc là, il y a des bouboules. Il crache des bouboules. Ah! Mince. Temps de réaction. Ah, après une esquive, elle peut attaquer. D'accord. Voilà le coup de pied. Je crois que ouais, on peut enchaîner relativement vite. Et je crois que c'est assez efficace. Après, je sais plus s'il y a des compétences qui se débloquent ou pas. I don't remember. Ah, et j'ai rechargé là apparemment. D'accord, il m'a donné un truc pour repartir en gravité tout de suite. Et merde, fail. Alors, je ferais mieux de m'occuper de ce retardataire. On va essayer. Alors, repérer des ennemis. L'emplacement de tes ennemis est indiqué par ce repère rouge, ça j'ai remarqué. Quand un ennemi est hors de l'écran, le repère laisse place à une flèche. Repère ton ennemi en déplaçant la caméra. D'accord, donc apparemment pas de verrouillage. Faut vraiment tout contrôler par nous-mêmes. Tiens, dans ta face! Allez hop, on retombe. Après la tempête, des monstres. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Officier Sid, t'es où mec? Tu dois partir. Hein? Quoi? Les puissants se fichent de vous, les gravitiens. Vous leur donnez l'impression d'être moins puissants. Personne ne te connaît. Tu as de super pouvoirs et tu arrives en même temps que les monstres. Le rapprochement pourrait être vite fait. Laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Quel rapprochement? De quoi, si tu le dis, parfait, va-t'en maintenant. A bientôt, gravitienne. Oh, Sid, t'es où? Alors, c'était le jour où les monstres ont attaqué la ville. Je ne le savais pas encore, mais cet étrange policier nommé Sid allait jouer un grand rôle dans les événements à venir. Je n'aurais jamais pu deviner le rôle que j'allais moi-même jouer. La ville est sans dessus-dessous. De nombreux phénomènes inexpliqués. Le maire Bolsey nomme ses monstres Nevis. Il crée une unité spéciale pour mettre fin à cette menace. Seul l'officier Sid extermine des Nevis et arrête des voleurs dans la foulée. Quoi? D'accord, il s'est pas fait aider du tout, mais c'est pas grave. Niveau gameplay, on me dit que c'est le même que sur Vita. D'accord, donc tu pouvais aussi jouer avec le joystick alors. D'accord. Salut Fiasco. Non, pas salut Fiasco. Je regarde tes commentaires. Des combos de la mort qui tuent. Ouais, mais je crois qu'il y a des trucs beaucoup plus swag à faire plus tard. Hein. Coucou Melvin. Salut Diablo. T'as vu la tête d'Asnes dans une vidéo? Wow. Ah, sur la chaîne à Joanne, je pense. Alors. Te voilà. J'ai cru que la ville avait oublié d'envoyer quelqu'un. Pardon? La ville? Allez, c'est pas le moment de rigoler. Dépêche-toi de réalimenter la fontaine. Je sais que quelques minutes... Non, ça... Oh là là, mais... Ça fait déjà quelques minutes qu'elle est à sec. Une fontaine? Mais quelle fontaine? Je ne sais pas comment on alimente une fontaine. Oh. C'est si dur de dégoter des gens efficaces. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va là-bas déjà. Tu sais où est la fontaine, n'est-ce pas? Bon, prends cette carte au cas où. Je travaillais pour la ville avant? Aucune idée. D'accord, je m'en occupe. Merci pour la carte. Ah, on a la carte. Et puis on débloque des trophées, très bien. Oula. Alors attendez, c'est pas la carte la plus pratique au monde, je trouve. Prochaine destination. J'aime dans le ciel, bah allons-y. La fontaine, c'est compris. On se retrouve là-bas, ne traîne pas. Oui monsieur. Mais dans quoi je me suis encore fourré? Je ferais mieux d'y aller. Alors est-ce que ça met un marqueur du coup? Oui, ça c'est cool, ça met un marqueur, parfait. Allez, on va se balader. Mais ça j'avoue, c'est assez jouissif de pouvoir se balader plus ou moins librement. Par contre j'ai plus de... Ah.
voilà. Bon, elle craint pas les dégâts de chute, même si elle se vautre. On n'a pas énormément de capacité à planer. C'est assez limité. Donc on va y aller mollo. Bonjour monsieur. Ouh, je renverse les gamins. Oh oh, c'est trop rigolo. Non ? Si, c'est rigolo. On peut renverser les gamins. Et les gens, c'est trop drôle. Je sais pas, il y a peut-être un trophée pour ça, allez savoir. Mais on peut pousser les gens, hein. Voilà, dégagez. Merci beaucoup. Voilà. Trop lol. Allez, on va commencer la mission. Alors, sera tort demain la Fistwange. Oui, c'est prévu à partir de 15h, je crois. Je vais mettre la facecam, je pense. De quoi ? Ce saut, c'est l'histoire du 1€ les 1000 vues. On s'y rapproche, hein. Pas tout à fait, mais c'est pas loin. Le vol style infini en crash, bien moche. Non, c'est fini en crash, bien moche. Bah ouais, elle s'est vautrée comme une crotte. Non, mais je crois qu'on peut améliorer hein, la capacité de vol. Hein. Ah, enfin. Commence par rapporter du combustible. Rapporter du combustible, d'accord. Et je fais comment? C'est ton premier jour ou quoi? Attrape les gemmes précieuses qui flottent dans les airs et rapporte-les pour alimenter le fourneau. Récupérer des gemmes flottantes. Concentre-toi, c'est un travail important. Allez, envole-toi et attrape ces gemmes. D'accord, je vais faire de mon mieux. J'espère que ce n'est pas dangereux de les attraper à main nue. Tiens, pousse-toi, gamin. Bon, faut 10 gemmes. Bon, celle-ci, pas besoin de planer. Ah, mais elles sont directement indiquées sur la map, ok. Parce qu'après, je crois que on en trouve un peu partout, en fait. Hop là. Ensuite, on va où? Par là-bas. Elle va pas pouvoir en faire beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tempête encore? Enfin, je sais même pas si on peut y faire quelque chose. Allez. Hop. Petite pause pour récupérer. Parfait. Parce que de mémoire, il y a un système d'XP hein, et de level. Enfin, plutôt de level. Où on choisit des capacités à améliorer. Je crois que c'est justement avec ces points rouges qu'on récupère en tuant des ennemis, etc. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Hop. Oula. Bon, après, à la base, c'est un jeu PS Vita, mais je trouve que ça passe très bien. Parce qu'en général, de toute façon, les jeux en cel shading vieillissent assez bien. Donc ça reste assez joli. Bon, il y a bien dû avoir un petit lifting quand même, au passage. Hop. Eh merde, elle peut pas se reposer. Ah, au secours! Non, tout va bien. Hop, on va éviter de se cracher quand même. Hop, voilà. Gemme nécessaire 7. Eh bien, vas-y. Bon. Le jeu est stylé. Très, très. J'aime beaucoup l'ambiance sonore et visuelle. Ah, on me dit que quand je suis en gravité, les gens me suivent. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Donc ça veut dire que ce qu'il y a autour de nous l'évite en même temps. Un nouveau défi déverrouillé, d'accord. Bravo. Tu ne t'es même pas servi d'un récupérateur instantané pour attraper ces gemmes. Je glisserai un mot en ta faveur auprès de la ville. D'ailleurs, accepterais-tu un emploi à temps plein pour l'entretien de toutes les structures de la ville? Ce serait facile pour quelqu'un d'aussi talentueux. Wow, j'ai vraiment dû l'impressionner. Ça me plaît. Oui. Je serais ravi d'entretenir d'autres structures. Mais un travail à mi-temps serait-il possible? Bien oui, si tu préfères. Mais quel gâchis pour quelqu'un d'aussi talentueux. Tiens, tu mérites bien ces 3 gemmes pour ton travail exceptionnel. C'est agréable d'être payé pour ces services, hein? Si tu préfères un temps plein, finalement, reviens me voir. Merci, monsieur. Mais ce n'est pas des gemmes que j'ai récupérées. D'accord, maintenant je peux améliorer les pouvoirs. Oui, donc c'est ça. Par exemple, là, pour 3 cristaux, je peux améliorer la consommation de jauge. Après, ça passe à 50, ok. Donc c'est ça, c'est un système de level en fonction des gemmes violettes. Parfait, hein.
Je suis épuisé. Je ferais mieux de chercher un endroit où me reposer. Ah, attendez, parce qu'il y a des trucs un peu partout déjà. Ou c'est ça l'objectif? Comment c'est la mission? Attendez. Donc apparemment, il y a aussi des défis. Mais ça, on va pas le faire tout de suite. Hein. On est encore en phase de découverte, on va pas commencer à faire les défis optionnels. Hop là. Donc les gens s'envolent là. Ah, envolez-vous et cassez-vous. Au revoir. Mais c'est horrible. On tue les gens. Au secours. Enfin, je sais pas où ils vont là, mais ils s'en vont. D'accord, très bien. Bon. Est-ce que c'est ça le... prochaine destination? Oui, c'est ça. Qu'on est bien chez soi. Parfait, on va pouvoir se poser. C'est nickel. Allez hop. Soso, toi qui es facteur. Alors, je suis pas facteur, distributeur de prospectus. Même si je travaille pour la poste, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai pas d'anecdote particulière, non, non. Parce que du coup, je vois moins les gens qu'un facteur. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ici? Pas de maison, ni même un endroit pour une douche chaude. Ah! C'est la chute. Mince. Ouch. Elle tombe sur les fesses. Hein? Ouais, bien. Ah mais du coup ça a l'air de rejoindre, ouais. Plusieurs endroits en théorie. Super bien. Finalement, je vais peut-être m'en sortir. Ah, ça a l'air costaud. Ya! Ah, pas de tout. Incroyable, ça mène dehors. Bien. On dirait que je viens de trouver ma nouvelle maison. Qu'on est bien chez soi. Home, sweet home. Meuble ta nouvelle maison. D'accord. On fait de la déco aussi. Alors, il est temps de donner un coup de jeune à cet endroit. Je vais commencer par les meubles. Poussière, tu en penses quoi? Tu as des idées? Miaou. Alors, c'est parti. Ouais. Quoi? J'ai entendu crier, non? À l'aide! Tu as entendu? On dirait que quelqu'un a besoin de notre aide. Où est-elle? On a intérêt à la trouver en vitesse. Ouais, alors après j'ai pas le casque, donc je peux pas vraiment identifier. Ah non, c'est bon. On est guidé. Parfait. Hop. On va par là-bas. Mais là je peux revenir en gravité normale, voilà, j'ai une plateforme. Très bien. Ah, il y a des ennemis. On va les attaquer comme ça, s'ils me crachent pas de bouboule. Ça devrait le faire. Hop. Ah merde, il est pas mort. Dégage. Ça va, madame? Ou tu vas m'insulter aussi comme l'autre, là? Alors, ça va? Les monstres sont partis? Tout va bien? Merci. Oh, merci. Votre tenue est un peu trop affriolante. Mais j'imagine que je devrais m'abstenir de commentaires vu ma situation. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue? Mais ça doit faire plaisir à Charlie. Elle est ultra moulante, c'est parfait. Hmm? Vous habitez où? Vous pouvez rentrer chez vous? Oui, je vais m'en sortir. Je ne suis pas encore morte. Ma belle-fille va m'entendre. C'est elle qui m'a envoyé jeter cette chaise. Et regardez ce qui m'est arrivé. Je suis sûr qu'elle m'a tendu un piège. Une chaise? Laissez-moi m'en occuper. Vous feriez mieux de rentrer chez vous et de vous reposer. Vous aideriez une vieille dame sans défense? Si seulement ma belle-fille était comme vous. Ah, à mon époque. C'est le moment de m'esquiver. Mais il est déjà très tard. Je ferais mieux de m'occuper de votre chaise tout de suite. Ouais, j'ai pas envie de vous parler. Ah, on peut faire un... D'accord. Rond, et du coup, on emmène les trucs avec nous. D'accord. Par contre, ouais, attention. Attention à la jauge. Sinon, on va perdre la chaise. Parfait, ça commence à me plaire. Ouais bon, ça manque encore un peu de mobilier. Où vais-je bien pouvoir trouver d'autres meubles? Bonne question. Alors écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode découverte. Comme ça, ça fait un épisode pas trop long, d'une demi-heure, c'est parfait. Donc sur ce, bah, je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis bah, à la prochaine pour la suite, hein, parce que je pense que je vais partir sur un let's play. Pas forcément très régulier, parce que j'ai beaucoup de let's play en cours déjà. Mais je pense bien en venir à bout. Donc voilà, merci d'avoir regardé, bye bye.